De ce ministère, et le ministère de la compassion des âmes. Alléluia. Ce matin, j'ai l'honneur, avec ton acclamation, bien sûr, de te présenter le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso Shalom. Oh,
Yeah.
Vous le connaissez? C'est au carton. Aïe, non? Ça va, monsieur? Aïe, le mec. Ça y est. Ok, tu dors. Ça va maintenant? On l'a pris. Il n'a pas bien entendu. C'est parti. C'est parti où? On l'a pris. Hein? Quelque part, c'est parti. J'embrasse plus ta vie. Alors, mon ami. C'est fini. Ou bien. Est-ce qu'on acclame, on peut acclamer le Seigneur? Hello. Il est un grand sorcier. On a vu dans le cas de mon nom. Manger. On est là. Bien manger. On dit qu'elle est là. Elle fout tout, tout ça. Et puis tu peux aimer. Tu as mangé combien? Tu avais tué combien avant? Vous avez dit à quoi? Hein? Six personnes. La télé, la vie de ses enfants. Aujourd'hui, il est délivré, c'est ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est venu participer à la veillée. On peut être encore délivré de la sorcellerie. Tu ne mourras pas. C'était programmé pour un accident.
ils ont changé les données pour un arrêt cardiaque pour le 27 février et c'est fini, tu ne mourras pas. Ils vont quitter les arbres.
l'évangile. Oh, il est l'évangile. Spirituellement parlant. Vous comprenez? Lorsque le masque devient. Moi, les autres, il y a un problème. Il y a un Seigneur. Il y a eu. Je n'ai pas entendu un amen dans toute chose. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Jésus-Christ. Je libère. Je libère. Au nom de Jésus. Non seulement ils t'ont rendu vieille, mais si tu demandes, les abus de toi sont célébrés, couche avec toi. Et ça a bloqué toute ta chance. Ça a bloqué toute ta vie. Mais Jésus te délivre ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. La puissance est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, le miracle de Dieu, le miracle de Dieu, le miracle de Dieu, la paix ce matin, reçois ton miracle, reçois ton miracle, au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois ton miracle. Ce matin, la guérison, la restauration, ton miracle, la guérison et la restauration. Tous ceux qui se sont lignés contre toi tomberont sur ton pouvoir. A dit la parole de Dieu. Que tout ce qui te lira comme toi, tombera sur ton pouvoir. Esaïe 54, le verset 15. Nous allons prier. Tu dois parler au Seigneur. Tu dois parler au Seigneur. Tous ceux qui ont mis fin à ta bénédiction. Tous ceux qui ne veulent pas que tu rompes dans ta destinée. Tous ceux qui ne veulent pas que tu te maries. Tous ceux qui ne veulent pas. Que tu prospères, que tu voyages, que tout cela soit vaincu dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Je veux que tu pries, que tu sois arrivé dans la prière. Ce matin, ouvre la parole, ouvre la bouche, parle au Seigneur. Ouvre la bouche, parle au Seigneur. Ouvre la bouche, parle au Seigneur. La main de Dieu viendra te libérer de ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu terrasse le royaume de la sorcellerie. Vivez contre toi. De la sorcellerie. Vivez contre toi. Recevez avec la puissance de Dieu. Reçois la richesse. Reçois, la maladie, disparaît, la maladie, disparaît,
chair de l'aboutement. Priez pour chair de l'aboutement. Priez pour chair de l'aboutement. Et puis tu fais quoi encore?
Oui, manger, ça c'est vrai. Quand tu es mangé, et après, mais il en a même plus pour quoi après? Il en a même plus pour là. Et drame, mais amen, non, bébé, avant. J'appuie sur celui qui dit. Un cassé, c'est bien, non, voilà. Ok. Donc, de toute façon, tu utilises bon. C'est pour ça qu'il parle. Son nom français, on comprend où. Allons, on est vraiment bon. Comme ça, on appelle ça ici. Excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est bien, l'air bien, non, mais. Pine là. Au cassé. Tu prends ça. J'appuie sur les gens. Ok, bon. Donc, bon. Toi, tu fais le spectre. Je suis blanc sur le visage, je suis noirci. Donc, je n'ai pas eu la chance. Oui. Hein? Oui. Oh, là, là, là. Tu fais ça. Bien, nous là. Comment il s'appelle? C'est comment il t'a donné la sorcellerie? Oh, comment il y a un bout? Oui. C'est un bout. C'est un camion, il y a un bout dans le lit. Et puis? C'est un bout. Non, il n'a pas un bout. Le matin, m'appelait la nuit, on n'est pas. Vous êtes là bien, maman, un matin, votre vie n'est pas. On a trouvé un chamboule autour de vous. Tout devient bizarre. Et tu sais même plus où mettre la tête. Oh, il y a une heure. Mais bien hier, dans ta vie. Mais pour aimer. Et puis tu fais quoi après? Oui, il y a une maman, mais même là. Hein? Il a attaché ses enfants. Les chambons de qui? Elle, c'est l'enfant. Oh, bon. Ils sont combien? Ils sont beaux. Ouais, mais quels sont les gens que tu as attachés? À moi, encore, moi, il y a une. Quels sont les gens que tu as attachés? À un point, là. Donne-moi le nom. Il y avait un union. C'est Rebecca. Oh, alors, Rebecca. C'est Rebecca. C'est une de votre fille? Ok. Alors, quand même, Rebecca. Tu vas la manger. Un collier. Ok. Un. Et puis hein? Emma. La dernière, elle a eu le BTS cette année à Abidjan. Non, 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 c'est pas ça, c'est Abidjan. Tu vas la manger. Oh, oh, quoi, quoi, dit. Qui encore? Alors, madame. Il y a Justin. Justin. C'est son petit, c'est son frère. On y va dans le oui. On va le quoi? Je peux le manger. On va le dire, non. Pourquoi? Il est quoi? Il est âgé. Il crée elle-même. Non, il n'a pas fait d'argent. Il a l'air de manger. Il y a le quoi? Il y a un cadeau. Venez, on peut le manger. Il y a un manque de son comédie. On a vu bébé qui allait manger les gens ici. Yo, on a un gros mec quoi, il y en a un. Non, t'as fait de manger la pape d'âge. Donc, dis-moi, il y a un gros. Dis-moi. T'as dit quoi l'appeler? Il y a les trois garçons, il y a le premier qui a fait au cours de la mairie, quatre fois. Bon. Il a essuyé. Pas qu'on y a dit de nous. C'est le sujet de prière qui demande. Je ne suis pas en train de faire le sujet. Mais c'est une intervention. Et donc, elle est comme elle. Voilà, parce qu'elle est très dangereuse, cette fille. Vous avez un cadeau, vous-même, vous. Allons-y. Bon. Je l'ai mangé aussi. Hmm? Oh, dis-le, non, non. Je l'ai mangé. Les gens doivent mourir. Oui. Où en êtes-vous? Et pourquoi? Il est quoi? C'est à cause de leur travail. Hein? Où en êtes-vous? C'est à cause de travail. Ah, tu veux pas que les gens travaillent? Et allez-vous, là, mon ami. Je vous informe qu'on arrive le mercredi à Boivre. Toute la brigade anti-sorcier. Nous avons déjà fait nos brassards, on dit anti-sorcier. Le cas va décoller mercredi. Nous donnons toutes les informations pour aller libérer la région de Boivre. Nous allons pour un village. Nous allons en profiter pour libérer toute la région de Bois. Donc pour les sorciers, je vous menace déjà. Je suis le prophète Crasso. J'arrive. Viens de l'histoire. Pour libérer la région de Bois. Nous sommes déjà prêts. Pour vous mater. Nous allons mater la sorcellerie de Bois. Bravo. Yeah.
Selon Akaïwa, à partir du 16, après l'immigration, nous rentrons à Akaïwa, à Kayota, nous partons libérés. Le 22, nous serons en Sego. Nous serons et tout ce qui veut pouvoir dans le temps approcher le secrétariat, allez-y vous esprit. C'est une année de libération. Nous allons libérer le territoire. Nous allons vous libérer. Vous êtes vécu. Vous les cherchez. Vous êtes vécu. Nous allons poser des actions dans les régions dans lesquelles nous allons passer. Même si tu es un sorcier, tu meurs dans le vent. Partout nous allons passer. Ça fait 2 ans. Et Dieu m'a montré la formule. Comment consacrer une région et exterminer les sorciers. Donc on va mettre ça en pratique cette année. Et nous allons revenir après pour vérifier. Quand Dieu te donne un don, la campagne, tu cherches à évoluer dans le don. J'ai compris quelque chose. Et nous allons mettre ça en pratique. Pour que les ressentissants de Guapré soient délivrés. Et que la sorcellerie soit bonne. C'est comme ça qu'on vous mettra à terre. Nous arrivons vers vous la semaine prochaine. En mercredi, toute la brigade. Nous aurons écrit ici un petit sorcier. Vos ennemis sont déjà prêts. Nos ennemis sont déjà prêts. 25 brigadiers. 25 brigadiers, vous maîtrisez Boifré en 3 jours. Nous arrivons. Vous les sorciers. Vous n'êtes pas venus les sorciers. Vous allez voir la puissance. Nous allons dans les villages. Nous allons pas là pour les bavarder. Nous venons sur votre territoire pour vous mater. Cette année-là, on va pas jouer. On va pas jouer à sorcellerie. On ne jouera pas à sorcellerie. Les brigadiers sont déjà prêts. Nos tenues sont déjà prêtes. Nos brassards sont prêts. Nous allons descendre à Boifré. Vous allez comprendre que Dieu est puissant. Nous matons la sorcellerie. Il faut que les gens soient libérés. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez la vie. Suivre de leur travail. Suivre de leur bénédiction. Fermez. C'est comme ça. Ça va chauffer cette année. Vous les sorciers, nous allons vous mater. Levez les mains. Consultez-les-vous. Nous prions. Vous mettez la sorcellerie. Vous pouvez attaquer le sang sur les tabis. Retourne la mort dans le lieu. La puissance de Dieu. 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 Oh la chanson de maman. Oh la chanson de maman. Le feu, 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 le
Respire, 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 respire
Mon Dieu délivre les gens.
D'accord, Dieu dit, mais il m'a dit. Ne soyez pas différent. Dieu continue de faire des miracles. Dieu ne change pas. D'accord, il est encore puissant. Oh, yeah, la belle, quand il on dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Il va te poser même la question. Pourquoi d'autres sont délivrés? Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend pas de l'homme de Dieu. Quand il est venu, tout sera bien. Quelqu'un qui a mort ressuscité, il a vu. Quelqu'un qui a mort ressuscité, les soins. J'ai vu. Quelqu'un qui a perdu ses papiers, il reçoit un miracle de Dieu, son passeport. J'ai tout ça. J'ai vu tout sort de miracle. J'ai vu tout sort de miracle. J'ai vu Jésus. Donc ton miracle ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de toi. Et oui, moi. Maintenant, son travail est ta prière. Mais Dieu envoyera la vie. Tout le monde a pris 4 Paul priait. Dieu a envoyé serviteur. Vous priez pour qu'il puisse. C'est ta prière. Au travers de ta prière, que Dieu envoyera son serviteur. La prière que vous pensez que vous n'avez rien à foutre, de prier. Et qu'il faut qu'on vous impose la main. Ah, le prophète va prier pour moi. C'est vous confier alors. Oh, la Bible dit que le malheur, soit celui qui se confie. Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est souverain. C'est ça que tu as besoin de prier. Il faut que tu pries. Il a mon oublié. Amen. Il faut que tu pries. Il a mon oublié. Frère, la vie, c'est pas du jeu. Pour m'écrire. Pendant que tu as des projets, il y a des pechos qui manigancent les choses contre toi. Pendant que tu as des projets de mariage, pendant que tu as des projets de mariage, j'ai des pechos dans le secret, dans la sorcellerie, qui manigancent les choses contre toi. Donc si tu ne pries pas, tu es mal barré. Tu t'es découragé. La chose ne doit pas vous arriver. Le découragement de la prière. Il y a des gens qui se découragent. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Dis à quelqu'un persévère dans la prière. 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 Alléluia. Amen. C'est tout ce que Dieu veut de toi. Même la persévérance. Et la vie. Tant que tu n'as pas eu les ossements. Et si tu n'as pas eu ne vous découragez jamais. D'ailleurs, pourquoi la vie déclare, priez si. Les gens, ils sont découragés. Avant, oh, les diables aiment bien les gens. Oh, Dieu, mais pas de si le découragement n'est pas ivoirien, le découragement n'est pas chrétien. Qu'est-ce que le courage? Ah oui, il faut connaître le courage. Le courage, c'est quoi? Tu vois la chose. Tu dis non. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vois un chemin très long. Tu sais que tu es fatigué. Tenez-vous debout. N'aimez pas les petites choses. Amen. Amen. N'aimez pas les petites choses. Nous sommes dans les derniers jours de janvier. Et janvier, tu as vu quoi? Tu l'as rien vu? Février arrive. Il faut que tu fasses des choses. Oui, février. Dieu n'est pas là pour crasso. Il est là pour tout le monde. Il se révèle aussi à tout le monde. Il se révèle à ceux qui prient. Il se révèle à ceux qui l'invoquent. Invoque-moi. Je te répondrai. Invoque-moi. C'est tout, c'est le principe. C'est le principe. Tu l'invoques. Et quand il parle, il va te répondre. Tu l'invoques pas. Et quand il parle, tu ne l'as jamais dit. Allez dans ta vie. Il n'y a pas de gens plus préférés. Vous dites non. Allez, mais comment on va? Ça dépend de la foi que tu as en lui. Pas de même calmement, mais le sérieux que tu mènes dans la prière. Et à Boubier. Janvier est parti. Janvier est là bien. Nous allons aborder février. Allez, février, le soir, tu oublies. Toi, tu dis. Et n'y a pas. Tu ne dois plus ta même personne. Non, 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 non. Il y a des dons. Ne vous voulez pas. Il y a un méchant dans le secret qui vous en veut. Moi-même, j'aime que j'ai des ennemis.
C'est tout à fait normal. Il me faut avancer. Amen. Voyez, mon âme, c'est la prière. Le jour tu arrêtes de prier, ce jour-là, je mettrai en lutte contre toi. C'est la prière qui les freine. C'est la prière qui les freine. C'est pour ça qu'il faut prier. Il ne faut pas penser que le prophète prie pour moi. Tout chrétien, tout croyant doit avoir une vie de prière. Je sais que quand vous venez la prière, ne soyez pas lassé. Ne prenez pas la position des hommes fatigués. Écoutez, quand vous êtes fatigué, la victoire change de camp. Amalek et Israël sont allés en combat. Ils ont commencé à s'affronter. J'aimerais que vous ayez cette position. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé à la sorcellerie. Amen. Il y a une question de je prie contre la sorcellerie. Dieu m'a donné le mandat contre ça. C'est pas moi, Dieu m'a donné le mandat. Donc un sorcier qui a fait. Je lui dis deux paroles. Je lui déclare deux paroles. Cette année-là, vous devez avoir votre miracle. Ne sois pas assis. Quand Amalek attaquait Israël, ce n'était pas des hommes de guerre habitués à la guerre. Il est sorti de l'Égypte. Moïse a compris qu'il fallait monter sur la colline. Oh, David dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il a créé les cieux et sur la terre. Quand il y a une situation, vers qui toi tu jettes le regard? Vers qui? Toi, tu jettes le regard. Comment va-t-il là? Oui, calme-toi. Vers qui tu jettes ton regard? Alors, il va dire là. Frère, mais il est préférable que tu aies la main de Dieu. Il n'a qu'à la main sur lui. Il est préférable que tu aies la main de Dieu. Il a la main de Dieu sur toi. Là, ça va vous dire. Tu fermes la bouche. Je n'entends plus. De tous tes ennemis. Là, ça va mieux. Amen. Quand j'étais là, j'étais aux États-Unis. Je suis rentré à l'ONU. Et bien, l'ONU. Et ça permet beaucoup de choses. Même un ministre ivoirien ne peut pas rentrer à l'ONU. Qui veut rentrer là-bas? Voilà. Donc, il y a tellement de choses. Moi, je crois à ma destinée. C'est où je suis quitté. J'en profite pour l'annonce. Nous serons bel et bien à Max en Europe. J'arrive à Max en Europe. À Madrid, je finis avec Madrid. Nous allons attaquer la France, nous serons à Lyon. Voilà, donc comme vous voyez, à partir du mi-février, nous allons faire une annonce capitale pour vous donner les dates, les adresses des différents pays. Je serai en Espagne et à Madrid, aussi en France, précisément à Lyon. Je serai aussi, par la grâce de Dieu, en Grèce. Je serai aussi à Milan. À Milan, j'aimerais que tous mes enfants spirituels soient mobilisés. Tous mes enfants spirituels et Asti, de Florence, de Verona, tous mes enfants spirituels d'Italie sont mobilisés pour le programme de Milan. Et après ce programme, je prends mon vol pour un grand programme sur les États-Unis et d'Amérique. On aura 26 pays à visiter, déjà commencé. Pour les États qui veulent nous avoir aux États-Unis, commencez à appeler au secrétariat. Commencez déjà à appeler au secrétariat, plus 225 46 07 23 28. Vous appelez plus de 125, 46, 07, 23, 28, j'arrive très bientôt. Mais nous sommes en pleine tournée. Quand j'ai fini ma tournée européenne et américaine, je reviendrai encore pour sûr. Parce que cette année, on va arriver à Korogo. Cette année, on va arriver à Ma. Cette année, on va arriver à Djokwe. On va en parler. La la sorcellerie sur tous les tendus du territoire ivoirien. Les sorciers vont prier chez nous. Depuis la semaine dernière, le week-end, j'ai commencé à travailler. Je t'en réponds. Il faut que celui qui te regarde pendant que tu dors, que son neige soit levé. Tu dois
L'enfant, il est comme chat dans ta maison. Et il t'embrasse. Lui qui s'est jamais brossé, là, celui qui s'est embrassé, qui vient embrasser une jolie femme comme toi. Et il abuse de toi. Non, mais le nom, ça doit s'arrêter, ça. Il est le meilleur nous. Ça doit s'arrêter. Mais le meilleur. Il faut que vous restituez vos chances. La sorcellerie. Après vous restituez vos chances. Il vous laisse en paix. Je vous menace, vous les sorciers. Vous qui minez la vie de cette personne. Et vous soyez en train de suivre maintenant. Ce voilà. Et cette vidéo. Tous les sorciers qui sont autour de vos vies. Je les menace. Moïse a compris. Pendant que les mains de Moïse étaient levées, le prêtre d'Israël avait la victoire sur Amalek. Maintenant, parce qu'il a levé les mains, c'est dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un a levé les mains, c'est dans la présence de la vie de prière. Qui ne laisse pas à prier. Il prie avant de dormir. Il prie dans la nuit. Il prie pendant que le jour. C'est celui qui a la main levée. Pendant que les mains sont levées, le peuple d'Israël prie dans la victoire. Toutefois, que tes mains seront levées, toutefois, que tu seras dans la prière, tu auras la victoire. Tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Mais le jour. Quand tu vas commencer à dormir, ils vont te manger sauce crème. Sauce crème. Hein? Un foutu banane. Pour tes séries. La viande et puis la riz. Comme dessert. La Bible déclare que la prière fervente du juste est un droit d'efficacité. La prière fervente du juste est un droit d'efficacité. Quand le juste prie, le royaume de Satan fléchit les genoux. Quand toi tu pries, le royaume de Satan fléchit les genoux. La prière fervente du juste est un grand efficacité. À un moment, le coup de la prière fervente du juste. Une grande efficacité. À un moment, le coup de l'œil, on peut oublier. Frère, il faut marquer ton temps. Si tu veux bénir, tout dépend de toi. Tu as celui qui bénit. Ça dépend de comment tu veux. Amen. Nous serons encore cette année au Canada. On vous donnera la date. Nous serons mystiques. Ouais. On fait le tour du monde maintenant. Heureusement qu'aujourd'hui, aucune ambassade ne peut me refuser le visa. Il a commencé dans la brousse. Il chantait les partis dans les nations. À cause de nous, nos parents sont venus revenir à l'Afrique. Alléluia. Amen. Je déclare que la grâce de Dieu demeure sur toi. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Que la puissance de Dieu te bénisse. Nous allons lever les mains. Et nous allons dire à la sorcellerie que tout c'est tout. Et la maladie, tout est tout. Nous prions le Seigneur. On ne la touche pas. Quand il ne touche pas, pas au moins deux minutes. Attention. La puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu.
des guerriers. Amen. 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 Comme des guerriers de la prière. Ça va? Je viens de te voir. Bon, salut plus le prophète, on vient pas là-bas. Et puis, bonne heureuse année. Ouais, il a de l'argent, je perds la sorcellerie. On m'envoie comme dans la poubelle. Quand je finis à gnari, les gnani, gnani, bon, on me jette après. À pas dormir. Hé, hey, Yako. Non, mais c'est comme poubelle. Plein la quand sa papa me jette. Et maintenant, je délivre. Bon. Asseyez-vous. À cause de moi. Je vous laisse. Avant de vous faire. Avant de vous faire. Avant de vous faire. Cette année, je voudrais ton mari. Et nous avons un mari. Je vais t'embrasser. Et je vais te dire chez lui, je veux. C'est le meilleur paracétamol. Le meilleur paracétamol, c'est parce qu'on va à la pharmacie. Je suis désolé. C'est chéri dans les bras. Je t'aime. Elle va tout préparer pour toi. Elle ramasse tous les poissons, elle met en sauce pour toi. Le mot je t'aime là, c'est le meilleur remède. Si tu dis pas à ta femme que quelqu'un dit ça dehors, elle sera là-bas. Et jamais ça. Là, mon petit, la femme, ça va. Ça va, petit. Ça va, petit. On se connaît là. Je bénis Dieu parce que je vais la veille, c'est déjà très intéressant. Et pas la carotte, parce que oh, il vient, oh, il est malade. Ton témoignage. Voilà, on a la veille, il c'est que vous bloquez pour la vie. Quand quelqu'un était transformé, il n'a pas honte de témoigner. On dit dans le cas, bien ça, ce chinois est dit. Je dis quand même, je dis Hé hey, petit, arrête ça, ça n'allait pas. Ah, l'esprit de la sorcellerie. Non, tu étais sorcier, pas l'esprit de la sorcellerie. Pourquoi fatiguer notre esprit? On va te chercher dans l'esprit de la sorcellerie. On va dans le goût quand même. On est il était dans l'esprit de la sorcellerie. Non, on le cherche, non. Quand on parle de mémé, tu es dedans. Et pour la goût quand même. Tu es sorcier. Non, dis est-ce que tu vas m'appeler pour dire oui. Ta bouche doit dire. Mon lien, ça. Avant, j'étais sorcier. Et là, comment il a gagné? On allait voir le prophète. Là, il a prié quand? Il a prié pour moi, il a fait ma délivrance. On a dit de Dieu. J'ai fait 5 mois au camp. Et nous a dit que. Puis après, je suis parti. Et il a dit que. Hier, j'ai vu les affiches qu'il y avait la veille. Et il y a dit que. Je suis venu à la mon nom. Et il y a un ton nom, il vient plus me voir. Viens. On a un peu de temps. C'est quand tout est gâté, on le tient comme garage. Il a mis la voiture, il est gâté. Quand on finit, bon, on oublie. Le voici. Il a gâté. Je suis comme hôpital. Il a un docteur. Quand tu n'es pas malade, tu connais pas docteur. Et tu as un goût de temps. Oui, mais alors, bonne heureuse année là. On a besoin de ça quand même. Franchement, c'est tout ce qu'on peut avoir. Sinon, si vous êtes avec nous en esprit, bon, c'est vrai. Mais on veut vous voir physiquement le témoignage de l'enfant. Hier, le prophète, c'est vrai. Il est mort. C'est hier, ils sont venus avec les affiches. Oui, les affiches. Ça a été. J'ai même collé ça sur mon mur. Et hier, je suis là hier. Je suis là hier, lui, son père n'est pas là, et il voyage. Et toujours, il parle au prophète du prophète, sincèrement. Et comme il est beaucoup en déplacement, il cherche comment vraiment faire. Devant moi, il a appelé à son micro, à son téléphone par deux fois, ça sonne, mais ça ne prenait pas. Nous, on a compris que le prophète
comme les numéros qu'ils connaissent, est-ce qu'ils décrochent vite. Donc devant moi, ça n'a pas marché. Et puis, on pense toujours à couvrir, à vraiment à le croiser. Cela ne s'est pas encore passé. Mais pour cela, hier, je suis allé et j'ai pris l'enfant. Lui-même, il a vu les affiches. Ça a déjà... il a vu les affiches. Ça l'a affecté. Il est venu me voir et dit, oncle, j'ai vu les affiches du prophète. Je sais ça déjà, donc je suis venu, tu es prêt, et dit je suis prêt, bon. Prends tes bagages, on va partir. Et c'est ainsi qu'il est venu avec moi. Pour vraiment témoigner encore de ce qui s'est passé. C'est quoi, on s'approche maintenant. Je suis très heureux, vous êtes arrivé. Nous, notre inquiétude, c'est parce que papa ne venait pas ici, et on savait plus comment faire. Le prophète n'est plus le prophète des Arocos seulement, je suis dans le coup. Oui, mais il faut que votre père, nous revienne. Quand je suis encore du voyage, je suis là. Mais tu as besoin de moi. Mais on est très enchanté aujourd'hui. On est très content que notre père soit venu parmi nous. Mais l'enfant qui est là, sincèrement, papa, on ne vous a pas oublié. Et on ne vous oubliera jamais. On n'a pas gagné beaucoup. On ne vous oubliera jamais. Parce que c'est nous sommes très réjouis de le voir aujourd'hui. Yo, Bonne nuit. Gloire à Dieu, c'est ça. Parce que pour nous, c'est après la délivrance. Surtout pour lui. On est passé à la délivrance. Nous bénissons le Seigneur. C'est pour lui. Nous rendons gloire au Seigneur. Sinon, pour me voir, c'est facile. C'est venu à Divo. Vous venez à Divo. Le week-end, vous allez me voir. Au même si vous m'appelez que je ne décroche pas, ça laisse moins de traces. Bon, ensemble, je suis réjoui pour lui. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas tes études. Il a repris ses études. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça reste comme un passé. Il a réuni et plus d'or. Pour lui. Si c'est la rentrée scolaire, il faut chercher à me voir. Je vais payer tous ces fournitures scolaires cette année. Vous comprenez? Je vais payer tes fournitures scolaires. Si c'est la rentrée scolaire, moi j'ai payé. Parce que j'encourage les gens à aller. Je vais payer ces fournitures scolaires. Lâche si tu veux là. On me dit. Nous voulons voir une génération qui gagne, et une génération délivrée de la sorcellerie, et une génération qui est meilleure. Et on peut partir de l'esprit de la sorcellerie, délivrer, être meilleur demain. Moi, j'aimerais voir ça dans ta vie. Et on va te suivre pour voir ce qui sera demain. C'est le cas qui sera vaincu. Parce qu'être sorcier, c'est pas une fin en soi. C'est vrai, on nous donne la sorcellerie. Mais Christ est là toujours pour nous délivrer de ce mal cruel. Voilà, soyez bénis. Sinon, je suis là à Digo. Mais c'est quoi dans ton corps? C'est le baba main, je ne sais pas. L'esprit, bon sang. Comment c'est venu? Je parle, je vois. Je vous verrai, il crée, il est inconnu. Explique-moi tout ça. Lâche. C'est un nom.
Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Et de vie. La puissance de Dieu te libère. Et de vie. Il y a une dame qui a un problème de dysenterie. Quand elle va aux toilettes, elle a l'impression que c'est le sang qui soit après. Non, si tu es là, lève le doigt. On n'a pas honte de ça. Non. Quand tu vas aux toilettes, après ça, il y a le sang qui sort après. Faut pas me poursuivre après. Au nom de Jésus, lâche ta vie. Pendant que je parlais, Dieu me montrait. Serpent quand toi tu bois le sang de la sœur. Serpent boit son sang. Quand le serpent boit sur le dragon. Souvent on dit tu as un aimier, ton sang fini. C'est le dragon. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te délivre. Lâche sa vie. Le serpent se libère. Dans le nom de Jésus, reçois ta délivrance. Vous voyez comment la puissance de Dieu peut neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Comment la puissance de Dieu peut neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Les gens pensent que c'est quand ils sont en France que sorcier. Il y a le sorcier en France. Un monsieur a mangé tout ce qui est dans son ventre, les triples. Trompe de sa femme. Tout ça, dans son scopé. C'est lui qui a dit ça. La moyenne, ça a dit Djumblé. Il est à Paris. Mais il vit en Côte d'Ivoire. Fais sorcellerie. J'ai vu une Camerounaise aux États-Unis. Une sorcière. Pratique la sorcellerie. Mais le pouvoir de Dieu au-dessus. C'est ça qu'il te faut Dieu. Il te faut véritablement Jésus-Christ dans ta vie.
Les gens pensent que sorcellerie là. Sorcellerie là, il n'y a rien dedans. Vous allez faire jusqu'à. Les sorciers même vont vous manger. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans le fétichisme. Il n'y a rien. C'est ce qui met nos parents en retard, c'est ce qui met notre besoin en retard. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle dit les sorcières. Elle est KO. Nous, c'est comme ça, nous, on a fait aux sorciers. Non, on a calé, oui. Je sens qu'on m'appelle maréchal de la brigade. On arrive, ça fait 2 ans, on n'est pas encore arrivé au village, dans le village. Les gens ont oublié un peu le village là. Bon, on arrive. À Boisfré. Les gars, les Boisfré, apprêtez-vous. Vous les sorciers, les Boisfré. À Boisfré. Maï. C'est le mercredi. Et là, non, il est voyagé, il est parti. Le sorcier connaît déjà. Non, non, t'es dit maintenant, voici ça. Non, vous connaissez tout. Oh, oui. Bon, on arrive. Alors, vous êtes femmes qu'on arrive. Pas pour s'amuser, hein. Pour oui, on vient encore de vous les sorciers. C'est tout. Mais si vous voulez avaler notre cas. Alors, si vous voulez créer quelque chose, nous allons arriver à nous parler. Et puis vous matez. Matez. Vous allez voir dans mes brassards. La fin de nos brassards, on est anti-sorcier. Ah mais que vous allez voir le décor. La brigade anti-sorcière. Le combat s'en va. Les brigadiers descendent. Nous, on n'a que des officiers. On n'a pas sous-officiers chez nous. Quand on n'a pas sa place chez nous. On a que des colonels. Les colonels sont là, des colonels, des généraux chez nous. Non, non. Même les tenants, pas. Quand tu es dans la brigade, c'est que tu as un gradé. Parce que les sorciers, vous savez, si tu ne fais pas peur, et puis, moi, non, ça, moi, ils vont t'effrayer. Moi, non, ça. Si tu ne fais pas peur aux sorciers, bon, et ils vont te faire peur, ils vont t'effrayer. Dans nous, là, on vient pour vous déloger des poissons. Il y a ça. C'est pas un peu d'amusement. Et les kids. Quand toutes les nations ont armes nucléaires, personne ne dit un mot sur les pays. Le jour, toutes les nations ont armes nucléaires, personne ne parle. Nous avons l'arme nucléaire spirituelle. Toutes les nations sont dans les airs. On dit, bon, on a l'arme nucléaire. L'Amérique a fermé la bouche. L'Amérique a tout dans les airs. Il y a des gens, quand vous avez ça, c'est fini. Et quand vous les autres nations deviennent des vrais camarades. Vous camaraderez vous. Parce que c'est ça qu'ils ont parlé, vous allez bombarder. Bon, nous on a ça. Donc on fait malin. On va essayer. Les Corées du Nord, ils essaient toujours. Hein. Les missiles, ils essaient toujours. Ils fabriquent. Bon, nous on a un âme qui est spirituel qu'on vient de découvrir. On mène dans un village, les sorciers meurent. On va essayer. On va expérimenter dans le village, je dirais combien on va. La Bible dit dans le chaume. La Bible dit dans le chaume. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. La décision de Dieu là-haut, que toi tu sois puissant. C'est pas de l'orgueil. Quand tu as Jésus, tu es puissant. Et là, je dis, quand David parlait à Goliath, c'est pas avec les mots gentils. David a menacé au nom de l'Éternel. Nous sommes là pour le bien. Et que le mal s'éloigne de nous. C'est nous qui devons faire reculer au royaume des ténèbres. Si nous sommes assis, eux ils prendront la place. La Bible n'a jamais dit de s'asseoir. La Bible dit allez-y. Allez, fais les actions des disciples. La Bible n'a pas dit de s'asseoir. Pourquoi l'Église assise? Tant que l'Église sera assise, le royaume de Satan régnera sur les nations. Tant que l'Église sera assise, elle continuera de critiquer les gens qui ont l'onction. Parce que quand tu as l'onction, les gens commencent à te critiquer. Parce que je ne suis pas comme toi. Moi, je ne suis pas habitué. J'ai toujours dit aux gens,
Je ne suis pas Abidjan. Je m'amène à Abidjan. Moi, je m'amène à Abidjan, je dors. Je mange, je m'en vais. Il m'a recouché matin. Je ne sais pas la recroissant. Il m'a recouché. Je bois, mon eau, je dors. Je me repose. Quand je dois gêner, je gêne. Mais mon lieu de travail, c'est Divo. Je peux aller rendre visite à les enfants spirituels. Souvent des interventions. Mais mon lieu, c'est Divo. Il faut que nous allons maintenant en mission. Moi, si mon t-shirt derrière la même mission recommandée. On a déjà fait le t-shirt, allez voir. On a déjà nos habillements. Tout le monde est Tuberland. Parce qu'on va rentrer dans la brousse. La nuit, vers 10h du matin, on est dans la brousse. Allez, quoi, Bini? On va monter les images de notre première mission. On va vous battre. Je ne suis pas en train de m'amuser, vous les sorciers. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'église que nous sommes, Dieu est toujours envoyé l'église en mission. Il dit, allez-y, voilà, si. Donc, sont sur tout Facebook en train de parler. Non, c'est pas Facebook. On parle sur Facebook. On parle en France. On parle en... Mais on parle aussi dans le village. On va venir dans le village. Je suis en train de tester mes missiles sur air. Je suis en train de tester. Et il y a des. Là, c'est les drogués. Quand tu as âme chimique, âme nucléaire, toutes les nations peurent de toi. Il pas de cas. Ils veulent son trou. Quand ils parlent, ils sont gentils. Non, ça veut dire qu'on veut, on veut qu'on soit camarade. Et ils ont peur. Nous, on n'a pas un chimique, on nous tue. Ça va où? On nous tue, ça va où? Que le Seigneur vous équipe ce matin. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous équipe. Ce matin, recevez une option spéciale afin que vos ennemis soient jamais écrasés. Amen. Et que cette année, vos, n'est-ce pas, projets aboutissent. Amen. Ceux qui n'avaient pas de moyens, que Dieu envoie ceci des moyens pour financer vos projets. Que vos projets aboutissent. Amen. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. Tu tues les gens. Bon. Amen. Voici le prophète. Comment tu fais pour tuer? Je le découpe. Bon, découpe-moi. Déjà, mais comme la tête. Ce matin, je vais me voir dans une seule graine. Il y a un pays là, un pauvre homme. Il y a un congo. Marche la femme boulot, marche là-bas, tu perds ta calée, congo. Mais quand tu reviens, vous prenez là. Tu me manges. Tu manges dans l'homme. Et des icônes. Hein? Oui. Bon, voici. Oh, il y a quoi pour vous dire? Viens, cadeau, je suis bien. Viens, prévenez vos liens. Ah, il y a les choubiens abandonnés. Et quand même, il y a choubiens, il y a choubiens. Et quand même, c'est pas tous les choubiens que souris mangent. Et vous même, tout dernier. Tu souris à manger ça, son ventre sans humeur. Ah, mais ok, il y a que ça. Je suis bien empoisonné. Guéri. Ça fait combien de jours avant qu'on aille de l'homme? Il a été trouvé, il a été. Combien de jours? Parce que quand tu viens chez nous, tu es en carême, hein? Et que là, il douille. Tu as un jeune foncé. De qui? Bon, ça fait combien de jours que tu ne manges pas bien de l'homme? Oh, je vous ça fait juste un an. On est les hommes. Donc, ça y est, tu as fini. C'est mon jour. Et il fait deux jours sans manger. Bon, mais voici. Il y a encore un peu de vie. Ouais, viande. Là, il pèse beaucoup. Vous allez comprendre. Et quand il mange en 3 jours, il n'y a pas de problème. Et il est allé. Hein? Ouais, bien. Mange. Vous allez comprendre. Hein? Je veux que tu me dises. On attrape. Afro, où? Aou. 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 Ouais, bien. Viens, vous allez comprendre. Regarde-moi, tu tues-moi. Pas de l'état. La Bible dit qu'éprouver la parole de Dieu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Teste la parole de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu. Voyez bien. Mange. Ah oui, il y a.
Ah, quelqu'un n'a pas mangé pendant les jours de la fête, c'est pas ça? Quand il va au livre, on mange. Fais sauce, jingle ou un plat. Ah oui, j'ai un peu Tu dis non, moi c'est cadeau. Faut les alors, là, dit, mange-moi. Non, mais n'a dit peu. Ouais, viens. Cadeau. Non, ça fait. Mais moi, c'est pas cadeau, il y a le propriétaire derrière. Non, c'est. Il y a le propriétaire derrière. L'éternel, le Dieu de Israël. Est-ce qu'on peut l'acclamer? L'éternel est mon berger, l'éternel est mon berger. Le berger est là. Il ne va pas laisser son mouton se faire manger. Non. Vas-y, stop. Ça, c'est pour moi le mouton. Non, non, non. Il y a la marque de Dieu sur ma vie. C'est ce que David dit, il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Il m'a ma tête et ma. Nous ne parlons pas, nous parlons avec les sorciers. Et nous les matons. Regarde-moi. Bon, moi, il était maté. Et je ne m'a pas maté. Moi, je mate. Et délivrer nous. Rien. Maman, tu veux quoi? Elle n'a pas délivré ou elle a calé dans un petit trou là. Oh, fou, ou bien? Pourquoi délivrer? Je vais faire une petite expérience. Je vais arrêter son cœur puis ramener son. Je vais ramener sa vie. Ah oui, pardonnez. Elle a fait un arrêt cardiaque. Non, on est d'expérience. Je n'ai pas dit de la tuer. Il y a une expérience. Son cœur va s'arrêter pendant des minutes. Et puis il va donner encore le souffle. Vous voulez ou vous voulez pas, il est fait. Ah, on va oublier nous. Il n'a pas dit tuer les gens. Venez, on va quoi. Il a envie d'arrêter son cœur. Quel est le mot pour le juge? On est sa expérience. Akaïra, Akaba, tu l'as fait. Encore pour le juge. Bon, j'ai fait. Une petite expérience. Encore la carte de juge. 5 minutes seulement. Donc, Peter. Encore la carte de juge. Vous avez peur? Non, rien. Non, on va se réveiller. Vous avez peur qu'elle reste à Montagne? Elle va aller faire un petit séjour de 2 minutes puis réveiller. Moi, c'est qu'elle là-bas. Ok, yeah. Oh bien. Qui est d'accord avec l'expérience? Alors, on va nous là. Il n'est pas d'accord.
un montagnier. Hein? Non, pas du tout. Et il n'a pas dit c'est eux qui savent tuer. La Bible dit que la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. La bouche d'un chrétien, c'est plus que lance roquette. Tu es vaincu déjà. Quand on est sorcier, ça veut dire que toi tu es plus que lui. Ah, m'as bien compris? Quand on est sorcier, toi chrétien, tu es au-dessus de lui. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il est tout accompli pour te donner l'onction. Pour que tu sois son témoin. Témoin de sa puissance et de sa résurrection. Donc aucun sorcier ne peut résister à la parole d'un chrétien. Non, ça n'existe pas. Ce serait que Élie, même nature que nous, cher sans ordre, qui va arrêter le soleil. On a vu Jésus qui a arrêté le soleil sur Gabaon. Où est passé cette puissance de Dieu? Mais la voyez bien. Où est passé cette onction de Dieu? C'est elle qui parle seulement. C'est les sorciers qui menacent son nom. Vous n'êtes pas les magies? Allez bien. Ils ont bouche. Or, c'est nous qui avons le dernier mot. Oh, hein, bien, amen. Amen. C'est nous qui avons le dernier mot. Hein, bien, Élie dit, nous allons voir. Allez. De vous à moi, le Dieu qui va répondre par le feu. Ce sera le Dieu qui sera adoré à Israël. Allez-y. Ils ont commencé les dieux de Baal. Il n'y a pas d'ici. Quand Élie a levé la main, le feu est descendu pour non seulement consommer l'holocauste, mais bien absorber l'eau. Vous dites, le véritable Dieu, c'est Élie. Le Dieu d'Israël que nous prions aujourd'hui. Il est notre Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. La stratégie du diable, c'est de créer en toi la frayeur. Quand on demande une guerre, elle est une guerre de communication. Quand une guerre se déclenche, elle a une guerre de communication. Vous effrayez les gens. Dans un pays tout près là, quand on a dit un président de parti, ils lui ont dit, il y a des gens qui vont venir. Ils sont tel nombre de personnes, hein. C'est ce qu'on appelle la guerre de communication. Donc on crée ce frayeur quand tu as peur, on te dit. Et puis, tu dis c'est vrai. Oh, le diable est déclaré comme menteur. C'est un menteur. C'est Dieu qui a le dernier mot. Bien aimé, nous avons le Dieu qui opère le miracle avec nous. C'est que la Bible dit sur Dieu pour nous, qui sera contre nous. Rien ne doit vous effrayer. Devant la mer rouge, Dieu va transformer la chose. Il va fondre la mer. Il a fondu la mer devant Israël. Il n'y a pas une situation. Venez qu'on a là-bas. Que tu ne peux pas résoudre. Il a la solution à tous les problèmes. Pourquoi tu as peur? Il y a quelqu'un, pourquoi tu as peur? Alléluia. Je déclare que tu auras ton visa cette année au nom de Jésus. Tous ceux qui vont suivre sur ta vidéo et qui n'auront pas de papiers. Je parle de tous ceux qui sont en Europe, qui n'ont pas de papiers. Parce que quand tu n'as pas de papiers, chez les Blancs, c'est difficile. Pas d'emploi. Tu travailles au noir et c'est difficile. Pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, la main de Dieu régularise ta situation. Je prie pour ceux qui sont en Espagne, en France, à Lyon, dans toute la France, à Paris, partout. Je prie pour tous ceux qui sont en Allemagne, dans toute l'Europe, que la main de Dieu régularise vos situations dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu seras en train de regarder cette vidéo, je te demande simplement de mettre la main sur la télé dans laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Pendant que tu seras en train de mettre cette main, ça sera une action qui va briser ce qui empêche d'avoir les papiers. Et également pour ceux qui sont aux États-Unis, aussi au Canada,
aussi au Mexique, nous sommes beaucoup suivis, et aussi au Brésil, nous sommes aussi beaucoup suivis que la main de Dieu. Nous serons aussi en Australie en fin de l'année. Bien sûr, en Australie, je serai en fin de l'année en Australie, nous allons régler pour qu'on arrive en Australie. Que la main de Dieu vous délivre là où vous êtes. Que la main de Dieu vous délivre là où vous êtes. Que Dieu rétablisse vos situations. Que vous ayez des papiers. Non seulement des papiers, mais des emplois du travail. Afin de venir investir en Afrique. Vous allez venir investir en Afrique. Parce que l'Afrique est le continent de l'avenir. J'ai détruit les dégâts de la sorcellerie sur vos vies. Tiens, quelqu'un n'a plus peur de la sorcellerie. Demandez Dieu est puissant. Et ça a mangé les gens. Si vous n'exercez pas votre autorité, c'est comme et quelqu'un qui est chef d'une maison et est là, comment marcher lui? Si vous sentez menacé par la sorcellerie, si vous sentez la présence constante dans votre maison. Vous sentez la présence constante dans votre maison. Vous avez l'impression qu'on vous étouffe. On vous étouffe. Et c'est régulier dans la semaine, dans le mois. Vous commencez à partir de dimanche et dimanche. Parce que la nuit du dimanche au lundi commence déjà lundi. Vous commencez à partir de 1h du matin. Le psaume 91. Merci. Le psaume 91. Vous avez l'impression qu'on vous étouffe. On vous étouffe. Et vous l'impression qu'on vous étouffe. Et puis quand vous vous réveillez, il n'y a personne. Et c'est régulier. Okay. Vous prenez le psaume 91. Parce que vous allez faire ça à partir de la nuit du dimanche au lundi à 1h du matin. Jusqu'à 4h. Vous prenez le livre. Le psaume. Vous répétez ça. Jusqu'à ce qu'il soit 4h. Ne jouez pas à ça. Et vous arrêtez cette action dans la nuit du samedi au dimanche. Si vous finissez cette action devant votre maison, vous sortez de la cour à 5h du matin et prenez de lui l'onction et dites: j'aimerais que celui qui me fatigue la nuit, qu'il soit dévoilé. Dieu, je prends le ciel et la terre en témoin. Je baisse assis cette terre. Que l'onction d'huile touche cette personne. Et qu'elle vient. Parlez. Vous avez réglé ça. C'est réglé. Manez, saisi. C'est réglé. Eh bien. Il chante le nom de les armes. Ça, c'est l'ange requête. Je pense qu'on m'a bien écouté. Okay. Mais bien. Aou. C'est Aou. Bon, ça veut dire mort là chez vous, en baoulé ou là c'est quoi? La mort qu'on appelle en baoulé. Aouli. Monsieur, la mort veut dire quoi? Aouli, il est mort. Il est mort, oui. La mort c'est un vieux. Vieux, c'est même un peu. Vieux. Quand Dieu a oublié, c'est que la personne est bonne. Là, oublié, là, c'est ça qui est la bonne. Je ne veux pas les deux, là. Oli, oublié, non. Je ne veux pas Oli, et puis oublié. Oui. Maintenant, tu veux quoi? La vie. Je veux la vie. Hein, la vie? Oui. Hein? La vie seulement. Une voix. Oh là là, oh, il y a poupée. Une voix. Délivrance aussi, tu veux pas oublier?
Dieu veut. Alors, vas-y, demande-lui, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle sent quand je parle sur elle? Tu as peur d'elle ou bien? Non, non. Mets-toi ici. Sinon, elle a désactivé. Hein. Ça ne peut pas, c'est allumé. Elle a vu quoi? C'est pas la fait quoi? Tu peux pousser devant elle. Tu travailles ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait de serpent? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ou bien. J'ai vu la vie. Et puis quoi? Tu as tué, non? Oui. Maintenant, tu veux vivre ou quoi? Hein? Je te demande ou bien? Tu vas laisser? Il faut aller faire sortir. Il faut lui dire, le prophète dit, il veut qu'elle le mange. Le prophète dit, il faut le manger. Non, pas de Ati. Elle dit, t'as compris. Non, c'est ce que t'as vous dit. Ati, moi, je dis, elle ne veut pas manger. Mais dis-moi, mais elle mange, non? Dis-moi, si l'homme est doux. Dis-moi, si l'homme est doux. L'homme est doux. Vous voyez, bien. C'est tout là, elle vient. Hein? Tu ne peux pas pourquoi? On va chasser les serpents. Tu es d'accord? Hein? Oui. Qui s'arrive? Au nom de Jésus, maintenant même, tu sors de sa vie et tu libères son âme par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu quittes sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche-la. Le feu consume tes œufs. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu consume tes œufs. La puissance de Dieu consume tes œufs. Au nom de Jésus. Corps. Feu. Quitte sa vie. Libère son âme. Libère son esprit. 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 Elle est délivrée. Elle est privilégiée, elle est délivrée. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a senti. Elle est Fogo. Oh, non, Fogo. Faut sauter un peu ça.
Comment ça va, je peux réclamer Jésus. Aujourd'hui, on va prier Douai. Demain, on finit le culte, vous rentrez. Le jour, elle mange l'homme. Elle meurt. Le jour, elle va toucher la viande de l'homme. Même si on devait, où on vend la même chose, ça va dans son nez. Elle meurt. Le jour, ce qui était montré, tu chutes. Le jour, tu vas manger l'homme. Tu meurs. Dans le attention, t'es délivré. Ma peau, y'a de tout, et il est la cassia, s'il y va, la cassia, s'il y va, et il est la cassia, s'il y va, la cassia, s'il y va, et il est la cassia, s'il y va, la cassia, s'il y va. Yeah.
Yeah.
Jésus, ah Jésus, ah Jésus, et Dieu oui vous t'aga. Thank you.
Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les réceptions se poursuivent ce soir à Divo à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. Amen.